C'est une course qui est très accessible. D'abord, c'est extrêmement bien organisé par la SNT, donc en termes de sécurité, il n'y a vraiment aucun souci. Ça permet d'avoir un grand brassage des niveaux. C'est une bonne initiation à la course au large. Bah, ça va être super sympa, on est 8 classes 40 pour l'Armen, donc généralement il n'y a pas beaucoup de classes 40, là ça monte d'année en année. Sur des petits parcours comme ça, c'est très technique et il y a souvent des changements de voile, donc il faut être aux aguets aussi. On vient là pour apprendre des choses aussi, hein. On vient là pour découvrir un peu nos concurrents, pour voir les vitesses, comparer nos vitesses de bateau, et puis tout simplement pour naviguer, hein. On est basé à la Trinité, c'est aussi un plaisir de participer à une course organisée par la SNT, bien sûr. Pour nous, sportivement, en ultime, c'est toujours intéressant de faire des parcours comme ça, de se confronter en bord à bord avec les autres. Il faut imaginer qu'en course au large, rapidement, dès la première nuit, on ne voit plus les autres. Donc là, c'est toujours intéressant de naviguer en contact rapproché avec d'autres ultimes. Donc là, on est trois, mais c'est vraiment sportivement, on a beaucoup de choses à apprendre. Nous, on est en IRC. On va essayer de viser le temps réel. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir le champagne à l'arrivée, c'est ce que j'ai entendu au briefing. Ça va être bien technique comme parcours et on vit sur une journée et demie, un truc comme ça, une journée et demie.